Salut à tous. Alors, comme vous avez pu le voir en titre, on se retrouve pour un aperçu de Star Ocean 5. J'ai pas eu l'occasion de le faire à la sortie. Bah, il est temps. Voilà. J'attendais qu'il baisse sérieusement de prix, d'autant qu'il avait des notes pas franchement très élevées. Donc là, c'est l'occasion. Hein. Je l'ai chopé pas trop cher en version 9 et en plus dans l'édition limitée. Alors, n'étant pas un gros connaisseur des Star Ocean, j'ai pas fait les anciens, je ne peux pas comprendre la note qu'il a eue, évidemment, sur certains points. Donc, moi, je pense que je pourrais l'apprécier davantage par rapport à d'autres joueurs qui sont fans depuis le début, quoi. C'est parti. Donc j'ai lancé le jeu quand même juste avant, histoire de voir les paramètres. J'ai une surprise, c'est que il y a les voix japonaises. J'ai pas fait attention la première fois que j'ai démarré hier vite fait. Il semblait ne pas avoir vu cette option, j'étais un peu dégoûté parce que j'avais absolument pas vu les voix japonaises. Donc j'avais seulement vu les voix des personnages qu'on peut désactiver. Et à ma grande surprise, bah, il y a les voix japonaises en fait. Je m'y attendais pas du tout. J'ai vu ça tout à l'heure. Juste avant en fait. Hein. Donc je m'empresse de les cocher parce que les voix anglaises, je supporte pas. Et franchement, j'ai eu l'occasion d'entendre ça sur YouTube et c'était vraiment pas bon. Alors, on était à destin aux joueurs qui découvrent les jeux de combat en parallèle. Ou qui veulent simplement profiter de l'histoire, le mode galaxie et le niveau de difficulté standard, il était bien pour les joueurs qui apprécient un minimum, bah évidemment, niveau B. Alors déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que le jeu quand même est fin, propre. Il est plutôt beau, ça a l'air assez détaillé, donc franchement, ouais, il m'a l'air plutôt pas mal. Le jeu tourne en 1080 60 images, je précise hein, quand même, donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Alors ce qui est assez pas mal aussi, c'est qu'on retrouve des personnages vraiment bien dessinés, mais franchement d'une finesse, ils sont juste magnifiques, en termes de qualité de texture évidemment. Même si j'aime pas le nez, franchement, toujours présent dans Star Ocean, qui est un peu pointu, que j'aime pas du tout. Mais bon, ils ont pas mal gommé cet aspect par rapport à l'ancien. Parce que même si je connais pas la licence évidemment par cœur, ça m'a pas empêché de suivre les sorties un petit peu du jeu, ce que ça donnait, etc. Ok, donc là on a accès à des attaques légères avec le X, des attaques lourdes avec le rond. Donc effectivement, 60 images, super fluide, donc ça franchement j'apprécie beaucoup. Alors d'un point de vue visuel, franchement le jeu me plaît plutôt pas mal. Franchement graphiquement, c'est plus beau que je pense en tout cas. J'avais peur d'être un peu déçu parce que je suis assez pointu, mais en tout cas ça m'a l'air plutôt fin, propre. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, les arbres, c'est pas de la haute qualité, évidemment. Mais voilà, je regarde dans le rendu global, franchement, c'est propre. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de clipping.
Franchement, il n'y a rien à dire. Nickel. Bon. Voyons voir ça. Je suis limité à deux coups. Ok, attaque lourde. Alors par contre, je suis limité à deux coups. J'espère que ça, par contre, ça évolue. Parce que s'il y a bien une chose que je déteste dans un jeu, c'est être limité en termes de combo. Donc j'espère vraiment que ça évolue de ce côté-là. Ok, donc le Kai va servir de garde. Moi personnellement, j'aurais mis plutôt sur le X. Donc j'espère que je peux le modifier. Les mécaniques entre attaque légère, attaque lourde et parade se rapprochent de cette vue-là. Attaque légère peuvent interrompre les attaques lourdes. Les attaques lourdes peuvent rompre la garde. Ouais, donc normal. Pareil, absorbe les attaques légères et permet de riposter. Ok. Donc ça, il va falloir retenir le système qui m'a l'air plutôt intéressant et effectivement qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Donc ça, c'est un principe plutôt logique et plutôt pas mal. C'est un peu la même chose dans Dark Souls. C'est que dans Dark Souls, quand tu fais du PVP, tu prends une épée lourde, un espadon ou un truc comme ça, le mec qui est en attaque légère, enfin qui est en full léger à côté, il va t'abonner, sans déconner. Enfin voilà, tu vas morfler quoi. À m'adresser à lui porter un ou deux coups suffisamment lourd pour le limite le one shot, bah c'est mort quoi. Alors ça, c'est intéressant en soi. Par contre, ça facilite le jeu, ça c'est dommage. Qu'on puisse voir qu'il apporte une attaque lourde, mais il n'y a pas besoin d'avoir une aura quoi. Sauf s'il est dans des BZ, hein. Mais bon. Alors, la mécanique entre attaque légère et attaque lourde, qui parle, s'approche de celle du G1. Hein. Alors ça s'en fout, c'est bien mieux. Ok, calme, ok. Là, mettons. Et attaque. Ah, donc plutôt précis. Au moment où il va taper, j'appuie aussitôt juste derrière son attaque, ce qui permet de faire un contre. Et ça, franchement, excellent. Plutôt précis. J'aime quand c'est prévu, précis. Ça me rappelle beaucoup des BZ Budokai à l'époque. Le 1, 2 ou 3. C'est ce que j'apprécie beaucoup. Cette possibilité de contrer derrière. Franchement, c'était vachement précis. Contrairement à tous les opus sortis après, les Tenkaichi, ou ceux à l'heure actuelle qui sont complètement bidou pour moi. Enfin, pour moi, les vrais DBZ, c'était les Budokai. Franchement, c'était exceptionnel, quoi. Ils étaient parfaits, dans tous les sens du terme. Il manquait que les vraies musiques, que le vrai mode histoire, évidemment, fait des cinématiques, un peu comme le premier DBZ Budokai, mais après, enfin, voilà, je veux dire, en termes de gameplay, ils étaient vraiment exceptionnels, quoi. Donc ici on va retrouver le système de PN, évidemment avec les attaques, les compétences plutôt. Donc on va de puissantes capacités utilisables, moyennement des PB, enfin des PN, etc. Les talents spéciaux, physiques, magiques, interdits, seront pour utiliser ces ennemis. Ok. あざれはこのぐらいでいいだろ。次は村の見回りでもしようぜ。お前が道場を継いでもう5年か。随分変わったよな。そうか。都の方は随分物騒になったって言うしな。
怪物やら盗賊団やらの犠牲者も結構な数になってるってみたいだな。いろいろ変わっちまったよ。親父さん心配だな。大丈夫だよ、あの人なら。今までは平気だったけど、俺たちのスタール村だっていつどうなるか。Franchement, les voix japonaises ont l'air plutôt bien choisies, je suis assez content. Parce que les voix anglaises, j'ai eu l'occasion de les entendre sur YouTube, et franchement, elles étaient vraiment pas terribles. Hormis pour le perso principal, les autres, elles avaient, enfin, non, ils avaient des voix, mais vraiment dégueulasses. C'est, je peux pas saquer les voix anglaises, surtout quand elles sont vraiment mal choisies. Donc là, je suis franchement content. Pour le coup, je regrette pas mon achat rien pour ça, quoi. Un jeu qui est plutôt beau, voix japonaise en plus, donc magnifique. Parle à qui? Au chien? Chien grassouille. Excellent. Pas mal, pas mal. C'est pas moi. Messieurs, dames. Madame, un petit rancœur? Toi aussi? Monsieur, un petit rancœur? Qu'est-il venu avec... Bon. Oh putain de la bouffe. Hein? Si. Alors je visite un peu, hein, je regarde un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah, bah, ça je peux courir. Ok, donc si je maintiens le carré, c'est pour marcher. Si je maintiens le rond, c'est pour courir. Alors attends, le menu. Et je vais peut-être en profiter pour baisser un petit peu la sensibilité. Ça va être quelque part. Là-dedans. Ouais. Donc horizontal, vertical. C'est ça que c'était vachement vif, je trouve. Ça l'est encore d'ailleurs. Désolé, hein, je paramètre un petit peu quand même. Miam syndical. Voilà, comme ça, ça tournera pas trop vite. C'est pas déjà croisé, toi? Tu me dis quelque chose. Ah. Excellent ça. Alors ça c'est pas mal, on peut déplacer la caméra, la rapprocher du personnage. Alors ça franchement excellent. On a rarement la possibilité de le faire dans les jeux du même genre, donc vraiment c'est pas mal. Ça j'apprécie beaucoup. Par contre un peu vide je trouve. Un peu vide. Il y a du monde en tout cas, c'est déjà ça, mais... En termes de détails, ça aurait été bien que ce soit un petit peu plus peuplé. Remarque, dans la réalité, enfin, je veux dire, ça serait peut-être la même chose. Hein. Donc bon, on verra plus tard dans le jeu ce qu'il y a d'autre. Ils ont littéralement fusionné, c'est pas magnifique. Ouais, j'ai pas de pépette, bah ouais.
Parce que bien évidemment c'est que le stick accélère aussitôt, donc c'est chiant parce que si je tourne un peu la caméra doucement, ça tourne vite. C'est dommage je trouve. Pas moyen de régler l'accélération. Non. C'est quoi ça? Manuel, signe automatique. Ouais, je vais baisser un petit peu la sensibilité encore, mais rien. Ouais, c'est la technique comme ça. Ah. Ok d'accord. Notez chef. Musique en tout cas plutôt tranquille, j'apprécie. Ça change. Ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu tranquille comme ça. Miki ももう18だっけ。ずいぶん大人っぽくなったよな。ずっと妹同然だったからな。まだまだ子供にしか思えないよ。ちょっと行ってみよう。Une gamine qui a bien poussé alors. Je veux pas être méchant. Mais... Ok, donc petite explication sur la mini-carte. なんかあっちの方に人影が見えてきまして。人影？多分最近物騒な噂が多いから気になって。あの影。おでかた。マジか。いたよ本当に。がっつりと怪しいでしょ。どう見たってスタールのやつじゃないな。どうする？ね、どうしたらいい？村長に報告して対策を練ろう。おい、いいのか？あいつら放っておいて。ここから捕まえに行ったって逃げられるのがオチだ。それより迎撃の準備をした方がずっといいだろう。さすが神水流の正統後継者、軍師っぷりも親父さん譲りだな。Ok, donc là il faut que je mette en route. Allez. Donc là on retrouve. Comment c'est ? Miki. Ouais, c'est ça, Miki. Donc une amie d'enfance. Comment c'est toi déjà ? Alors ça va être marqué quelque part, non ? Fidèle. Ok, fidèle. Ok, bon. Bah, c'est bien. Drôle de nom. Alors par contre, je sais pas du tout c'est qui. Donc fidèle, ben on en apprendra certainement plus sur lui plus tard. C'est juste qu'il est le fils apparemment donc, qui a repris le flambeau de son père. Et là on est en route pour aller voir le maire du village. Donc le prévenir des fameux visiteurs en privé. Donc en cas d'attaque j'imagine. エイタロン。エイタロン？極悪非道って噂のあの盗賊団か。実際盗賊団なんていう規模や凶暴さじゃないようだ。5年前父が都に招聘されたのもエイタロンに抵抗するため、国中を回って武術を指導するためだったんだから。無理だ。そんな連中に目をつけられてどうしたというのだ。村長、どうしたらいいんだ。私は戦のことなど何もわからん。村長、落ち着いてください。村長が慌てていては村のみんなも動揺します。Franchement, la différence elle est énorme dans le doublage. Franchement, les voix anglaises, j'ai vu le début. Et les voix anglaises, elles étaient à chier quoi. 頼む、フィデル。On ne les entendait même pas s'énerver comme là, enfin, comme Fidel monte la voix. On l'entendait même pas faire ça avec la voix anglaise, tellement c'est pourri quoi. La différence. Franchement, je regrette pas d'avoir vu l'option parce que d'un seul coup, au début j'ai cru qu'il n'y avait pas les voix japonaises.
Ah, ça m'aurait fait chier. Franchement, faire le jeu avec des voix anglaises aussi pourries, non merci. Là, je suis bien content. Ok, donc là il fait nuit et j'imagine qu'on va se préparer pour l'attaque. Ça c'est où je vais t'entraîner, donc c'est par là qu'il fallait. ジレッタンや。そうか。男たちはみんな思ってるさ。これで来なかったりした日には。来ないなら、その方がいいに決まってる。防げるかな。相手の規模にもよるけど。多分、一度なら。一度か。二度目は厳しいだろう。みんなの心身も、建物も痛む。どうする？中央に援軍を送ってもらうしかない。それもこれも、最初の襲撃に。来た！バッチャン。Allez, ça attaque. お前は女子供を道場へ誘導しろ。分かった。みんな。L'attaque. 戦闘準備だ。Je roule comme ça. Et pas ici, c'est ici que ça se passe. Vous avez vu notre dégât ? Retour en rire. Excellent. Ouais, alors quand je vais lâcher, putain, la nuit. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc, triangle, c'est mon ami. Ça fait trop bizarre. Pourquoi ils modifient les touches? Si j'ai le plus là. Comment on ressort d'un bas? Est-ce que je peux? Ah bah, il chante un combat, je pourrais pas. Paramètre rôle, c'est quoi ça? Attaquant. Bah de toute façon je suis tout seul. L'équipement, ok. Défense. Ok, c'est les compétences qu'on... Ok, ok, autant pour moi. Attends, attends, je regarde, tout ça, la salue. Hop, c'est j'ai fait. C'est la canicie qui a rejoint, apparemment, le combat. Bouge pas. Faut que j'aille voir, par mes trolls. Est-ce que j'ai accès aux deux maintenant? Ah, j'ai accès aux deux. Guérisseur, ok. Donc elle sera là en tant que support. Donc je peux aussi modifier apparemment son équipement. Intéressant. Intéressant. Ce que je trouve dommage, c'est que l'aura bleue est un petit peu trop prononcée. Ce qui ne permet pas de voir correctement notre personnage en pleine attaque. Ça, c'est un peu dommage. Ça fait un petit peu brouillon, en fait. Mais bon, rien de bien méchant non plus. Hein. C'est la triche, elle peut sortir pas mal. Bon bah j'imagine qu'il faut que j'aille voir un petit peu plus bas je pense. Ouais, effectivement ça combat là. Par contre je suis vraiment limité sur les compétences, hein, niveau coup, tout ça, hein. C'est très limité. Hein. Excellent.
partir au sein de la bataille encore. Oh, c'est fait un petit torchement. Ah. Quoi, déjà fini? Ok, il fait jour, c'est déjà fini. Bon. C'était vite fait, quoi. Niveau supplémentaire. Cool. Retirer Mickey, bande de sel. また攻めてくる。おそらく。嘘だと言ってくれよ。ね。どうするか。何か考えがあるんだろう。国に援軍を頼みましょう。援軍？それはいい。すぐに出発します。 Ok, donc apparemment là je vais partir à la quête de renfort. Bon. La forêt. Alors, gros point indicatif qui a beaucoup déçu pas mal de testeurs officiels et de joueurs, c'est un peu ce côté identique qu'on retrouve très régulièrement évidemment dans les jeux de ce genre. Donc sur la narration, le style des personnages quand ils parlent, etc. Donc moi je m'en moque un petit peu parce que c'est vrai que je n'en fais pas 50 000 comme ça, donc ça ne dérange pas plus que ça. Puis bon, si le jeu est bon derrière, pour moi c'est pas une critique, enfin c'est pas une critique viable. Voilà, je veux dire, si le jeu est bon, je vois pas pourquoi on se plaint. Hein. Par contre, je peux y rentrer, je vais voir ce que c'est. Infirmerie. Ah. Oups, désolé, je crois que j'ai encore fusionné avec une fille. Excellent. Ah, les personnages sont juste magnifiques. Oh, je suis pas en train de la relooker. Bon, sinon que c'est chaud ici. Je crois qu'il n'y a rien à faire en fait. Madame. Ou monsieur, plutôt. Désolé, t'as pris une balle. Ah, putain, ce coup, j'ai cru que c'était un tableau des quêtes. Non, ce n'est pas. Autant pour moi. ふざけるな。早く帰れ。おい、待てって。どんなに危険か分かってるのか。危険だから行くんでしょ。夕べだって危なかったじゃない。一人じゃ行かせられない。わがまま言うな。私が危なくなったら助けてくれるって。信じてるから。おい、ミキ。連れてってくれないなら一人で行くから。盗賊に捕まるかもしれないし、凶暴な動物に襲われるかもしれないけど、 それでも行くから決定事項だから。勝手にしろ。分かったよ。連れて行くから。その代わり、しっかりついてこいよ。はい。
Apprendre le paramètre. Intéressant. Oui, pour l'instant, on est avec plutôt sympa côté narration. Je trouve pas que les personnages en font trop, en tout cas. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça fait pas trop cliché manga, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je trouve. Alors, j'allais voir vite fait les paramètres, voir s'il n'y a pas moyen de configurer les touches différemment. Configuration des commandes. Peut-être que je peux modifier. Non, c'est pas ce que je veux. Bon, je vais pas y toucher. J'ai pas l'impression que je pourrais remapper toutes les touches. Ou alors, il faudrait que je le fasse par la console, ce qui est possible. Mais bon, ça me ferait chier. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, il est temps de voir ça. Apprendre. Bon. Tueur de plantes, tueur d'insectes, attaquant. Donc, si j'ai bien compris, je vais pouvoir lui faire apprendre différents rôles. Mais en mettre jusqu'à 4. Donc, ce qui va être plutôt pas mal, en fait, elle sera variée. Donc, je pourrais très bien faire une guérisseuse et en faire en même temps une attaquante. Logiquement. Défense, soin, soutien, divers. Ok. Maniaque de mana. Excellent. Les gens combat, colère, et violence, soin. Ok. Ah, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok, donc il me faut des points de compétences. Et je vois qu'il y en a 50 de requis, j'en ai 12. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Je vais faire des vidéos d'à peu près une demi-heure, comme ça elles ne seront pas trop longues à uploader, et puis trop longues pour ceux qui veulent regarder. Donc moi je vous dis à la prochaine si vous donnez un aperçu, et j'espère en tout cas déjà que le premier vous a plu. Mais moi, en ce qui me concerne, bah, ça me plaît. Le jeu m'a l'air plutôt pas mal. 1080, 60 images, on a une qualité graphique plutôt propre, très fin. Pas d'aliasing, pas de clipping. Belle profondeur au niveau de la distance d'affichage, donc c'est plutôt pas mal. On retrouve des personnages quand même franchement magnifiques, sincèrement. Ils sont beaux, bien dessinés, ils sont nets, très nets. Belle qualité de texture, donc ça, il n'y a rien à dire. Les voix japonaises sont là pour aider, donc ça, c'est pas mal. Le tout dans un style évidemment un peu manga, donc c'est plutôt classe, plutôt cool. On verra par la suite un petit peu plus en détail donc sur le jeu, et puis là, bon, c'est l'heure de couper. Et ciao.